Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Mode à la Mode. Ravi aujourd'hui de vous retrouver une nouvelle fois sur Assetto Corsa. Alors on va quitter les monoplaces pour ce nouveau mode. Nous sommes ici sur un pack qui reprend 4 modèles du fameux championnat Groupe C, l'IMSA. Une discipline qui a été disputée de 71 à 98, mais on va s'intéresser sur la catégorie GTP, cette catégorie qui a été la réglementation reine de 82 à 93. Et on retrouve ici un pack de 4 voitures, dont disponible dans la description. C'est entièrement gratuit, bien entendu, et c'est un mode qui m'avait paru assez intéressant pour vous en faire une vidéo. Alors il n'est pas tout neuf, évidemment. Ce sont des voitures que l'on a déjà pu voir en mode unique sur Assetto Corsa. Et ici, elles ont été regroupées. Donc, c'est une occasion peut-être de venir gonfler les modèles de la catégorie Groupe C, par exemple, déjà présents dans le jeu. Je pense au Porsche 962C, au Sauber C9 ou encore au Mazda 787B. Alors, vous allez avoir pour ce mode 4 voitures, donc, je l'ai dit, avec tout d'abord l'emblématique Jaguar XJR12 qui a remporté notamment les 24 heures du Mans, qui est une voiture disponible avec plusieurs skins. Il faut savoir que toutes les voitures ont à peu près 3, 4, 5 skins. Celle qui en a le moins, je pense, c'est donc la Toyota. Donc vous avez une Toyota Eagle Mark 3, pardon, la Nissan ZX Turbo, hein, qui est maintenant assez popularisée. Elle est également disponible dans iRacing ou encore Project Cars 2. La Jaguar XJR12, donc, et la Chevrolet Intrepid RM1, une voiture que l'on connaît peut-être un petit peu moins de notre côté du globe, mais qui a fait les belles heures aussi de ce championnat. Alors vous allez assister à des courses en fond, évidemment, je vais vous laisser profiter. Donc il y aura tout d'abord un passage par le circuit du Mans, ensuite nous irons à Laguna Seca et enfin à Road America. Je rappelle bien sûr que vous pourrez retrouver les liens des voitures et des circuits dans la description. Alors c'est un mode qui est plutôt sympathique, pourquoi ? Parce que première chose, en tout cas maintenant avec les voitures disponibles dans le jeu de base, eh bien on a vraiment une immersion sympathique avec l'ensemble des modèles disponibles et ça c'est vraiment très très bien. Les voitures sont plutôt bien réalisées avec des différentes caméras. Alors, les caméras qu'on peut utiliser de manière alternative en appuyant sur F6 de base dans le jeu sont assez ratées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout exploitables pour un onboard ou pour une vue décalée. Par contre, les vues première personne et poursuite sont vraiment bien faites. Donc là, de ce côté-là, vous n'aurez pas de soucis, je pense, pour jouer, que ce soit en mono ou en triple screen. Les vues sont vraiment, vraiment très agréables. Au niveau de la réalisation 3D, quelques petits couacs tout de même, avec l'absence parfois de boulons de roue, notamment sur la Jaguar, hein, les écrous centrales ne sont pas là, ils sont assez absents, peut-être parce que les roues sont cachées, je ne sais pas si ça a été un souci au moment du modding, mais c'est un petit peu dommage parce qu'il manque quelques petits éléments qui font que ce mode n'est pas parfait au niveau visuel. Des fois, les caméras, comme par exemple sur le toit de la Jaguar, vont vous proposer quelque chose d'un petit peu bizarre aussi, avec une vue souvent un petit peu floue, des détails, des logos, donc c'est pas tip-top, alors que là, le jeu tourne en 2K, 60 images secondes. Donc vraiment, la résolution est vraiment sympa. Des voitures, c'est très correct pour le coup, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu moins bien finies. Bel atout également au niveau des volants et des tableaux de bord, franchement c'est très réussi, c'est très complet avec des dashboards utilisables avec parfois un petit HUD digital et tout, c'est plutôt cool si vous souhaitez jouer sans ATH. Les rétroviseurs sont aussi bien réalisés, il n'y a pas trop de bugs à ce niveau-là. Petit bémol pour certains essuie-glaces qui n'ont pas l'air d'être tout à fait au bon endroit ou au bon format, ça c'est vraiment des choses que j'ai constaté sur le modèle 3D. Les phares fonctionnent bien, donc vous pouvez rouler de nuit, c'est pas toujours le cas sur certains modes, ici ça marche aussi parfaitement bien. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant la vision globale de la modélisation 3D. Le retour de flamme aussi, c'est vraiment cool, ça donne vraiment très très bien et c'est très bien réalisé. Au niveau du son, les voitures sont très 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 spécifiques, on ne va pas avoir 4 sons identiques, et si vous doublez une Chevrolet avec la Jaguar, ou si vous avez le rotatif Mazda in-game qui vous passe, vous sentez vraiment qu'il y a des différences au niveau des modèles, et ça c'est aussi très bien réalisé. Dernier point sur le comportement de l'IA, il est assez bien fait, je trouve que le mode s'en sort bien, que ce soit sur les circuits originaux du jeu ou encore sur les circuits ajoutés en mode, ce qui est le cas d'ailleurs pour les 3 circuits que l'on va tester aujourd'hui, avec donc, vous avez vu, le circuit du Mans. Le circuit de Laguna Seca aussi est très sympa, en tout cas au premier virage j'étais surpris du comportement des voitures, pas de problème non plus dans le corps court, parce qu'on sait que certaines voitures avec des fonds plats ça peut être un problème, là franchement c'est très très bien. Au niveau du plaisir de conduire, ce sont des bêtes évidemment de plusieurs centaines de chevaux, donc c'est pas toujours simple de les maîtriser bien entendu. Ici j'ai roulé avec simplement 40% je crois, ou 35% d'aide à la stabilité, mais il n'y avait pas de traction control et pas d'ABS, puisque c'était le cas à l'époque, même un petit peu de traction control ne fera pas je pense
gâcher le plaisir de conduire, mais c'est des voitures vraiment très dures, très vives à piloter. Et vous allez devoir vous cramponner à votre volant, puisque le force feedback est assez bien réussi aussi. Il n'est pas ultra complet, il reste assez basique, mais il est vraiment capable de donner de bonnes sensations, notamment dans les réaccélérations, les sorties de virage, où parfois il faut corriger la trajectoire de la voiture. Ça, c'est plutôt un bon point, le force feedback. Donc le comportement est sympa, la 3D est correcte. Le son, je vais vous laisser en profiter un petit peu, puisque vous allez avoir droit à quelques caméras on-board et extérieures de la piste. On se retrouve pour une petite conclusion de ce mode. Mais pour l'instant, installez-vous et profitez du doux bruit de ces moteurs.
Elles sont plutôt convaincantes, ces voitures. En tout cas, moi, j'ai été très agréablement surpris. Et ce sont des physiques très sympas à compléter donc avec le niveau des voitures in-game produites par Kuno Simulazioni qui sont à un niveau équivalent. Il n'y en a pas une qui va prendre l'avantage sur l'autre. C'est ça aussi qui est très agréable du coup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du mode à la mode. J'espère que ça vous aura éclairé sur ce mode. Il manque bien évidemment une voiture que je n'ai pas testée pour vous, la Chevrolet. Je vous laisse le soin de la découvrir par vous-même parce qu'elle vaut également le coup. Quatre comportements différents, très intéressants. Si vous souhaitez vous amuser sur les pistes américaines, elles sont taillées pour ces voitures. Je vous invite à tester également Daytona qui a été refait récemment sur Assetto et qui est plutôt convaincant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce mode à la mode. On se retrouve très vite pour d'autres aventures en piste et d'ici là, bon amusement les amis sur votre simulation favorite et à la prochaine. Je rappelle évidemment que vous pouvez vous exprimer en commentaire si vous avez des questions. Salut !